Les autorités italiennes et onusiennes affirment que 41 migrants seraient morts dans un naufrage la semaine dernière en Méditerranée centrale. Quatre survivants ont déclaré qu'ils étaient sur un bateau transportant 45 personnes, dont trois enfants. Les survivants ont été emmenés mercredi sur l'île italienne de Lampedusa. Selon eux, le bateau est parti jeudi dernier de Sfax en Tunisie, mais a chaviré et coulé dans la nuit après avoir été frappé par une grosse vague. Les quatre survivants ont passé 2 jours à la dérive après avoir trouvé un autre bateau vide. Ils ont été secourus mardi après qu'un avion de surveillance de l'Agence européenne des frontières Frontex les a repérés. La Méditerranée centrale est l'une des routes migratoires les plus dangereuses. Plus de 22 000 personnes sont mortes ou ont disparu dans ces eaux depuis 2014.